Comme tous les matins, le gestionnaire de chantier fait le point sur l'avancement des chantiers. Grâce à l'échange des données entièrement automatisées avec les machines, Maxifleet remonte toutes les informations importantes pratiquement en temps réel et de manière claire. En quelques clics seulement, le gestionnaire de chantier peut voir que le travail du chantier actuel est bientôt terminé. Afin que le chauffeur puisse poursuivre son travail sans interruption, il est alors temps de préparer un nouveau chantier. Le nouveau chantier contient déjà un fichier préparé avec les produits à façonner et débarder pour l'abatteuse et le porteur. Des cartes préparées au préalable avec les données détaillées sont encore ajoutées à l'ordre de travail. Le gestionnaire de chantier complète le chantier en préparation en y ajoutant des précisions complémentaires et les limites parcellaires. Peu de temps après avoir enregistré le chantier, ce dernier est automatiquement envoyé à la machine. Ainsi, le chauffeur peut le récupérer. Le chauffeur de la batteuse ouvre le nouveau chantier depuis Maxifleet et peut tout de suite se faire une idée des données de la parcelle qu'il aura à couper. Dans Maxivision, il dispose d'une vue d'ensemble conviviale du chantier. Pas loin du chantier à faire, le scolyte a attaqué. Avec sa tablette, le technicien indique rapidement quelques arbres sur la carte Maxifleet afin que le chauffeur de la batteuse les façonne également. Ces nouvelles informations sont immédiatement visibles sur le chantier en cours et ces arbres peuvent donc être trouvés et façonnés directement. Pour s'assurer de la qualité du façonnage, quelques grumes et billons sont échantillonnés et mesurés régulièrement pendant l'abattage. Le résultat est automatiquement reporté dans Maxifleet. Entre-temps, le premier porteur avec Klemmbank est arrivé sur le nouveau chantier d'abattage. Après avoir choisi le chantier, le chauffeur peut tout de suite voir tous les tracés de l'abatteuse. Les arbres abattus lui sont indiqués sur la carte par des points rouges. À gauche du tableau sont listés les assortiments déjà façonnés. Le chauffeur de la batteuse lui a également ajouté quelques informations complémentaires pour lui faciliter le travail. Une fois le chantier activé, le porteur débarde en premier les grumes. L'avancement du débardage est directement actualisé sur la carte et ainsi visible pour tous les acteurs ayant l'accès à ce chantier. Le deuxième porteur pour le débardage des billons est également arrivé sur le chantier. Après s'être également connecté au chantier, toutes les informations actuelles sont à la disposition du chauffeur. Ce dernier peut donc démarrer le travail immédiatement.
Au déchargement, les piles de bois sont reconnues automatiquement mais peuvent aussi être créées manuellement. Le gestionnaire de chantier peut suivre l'avancement des travaux depuis son PC et, si nécessaire, apporter des modifications. Les résultats des mesures de contrôle pour un suivi permanent de la qualité de façonnage sont également représentés dans un graphisme facile à lire. En ayant la possibilité de pouvoir créer des rapports personnalisés, les données de production peuvent ainsi être exploitées et adaptées selon ses propres besoins. Maxiflit, en avance sur son temps.